Un cours en miracle, leçon 157. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Voici un jour de silence et de confiance. C'est un temps particulier de promesses dans ton calendrier des jours. C'est un temps que le ciel a réservé pour y luire et jeter une lumière intemporelle sur cette journée où des échos de l'éternité se font entendre. Ce jour est saint car il inaugure une nouvelle expérience, une sorte de sentiment et de conscience différente. Tu as passé de longs jours et de longues nuits à célébrer la mort. Aujourd'hui, tu apprends à ressentir la joie de la vie. Ceci est un autre tournant crucial dans le curriculum. Nous ajoutons maintenant une nouvelle dimension, une nouvelle expérience qui jette une lumière sur tout ce que nous avons déjà appris et nous prépare pour ce qu'il nous reste à apprendre. Elle nous mène à la porte où l'apprentissage s'arrête et nous saisissons une petite lueur de ce qui se trouve passé les plus hauts sommets qu'il puisse atteindre. Elle nous laisse là un instant et nous allons au-delà, sûrs de notre direction et de notre seul but. Aujourd'hui, il te sera donné de sentir une touche de ciel, quoique tu retourneras sur les voies de l'apprentissage. Or, tu es rendu assez loin en chemin pour altérer le temps suffisamment pour t'élever au-dessus de ces lois et aller un instant dans l'éternité. Tu apprendras à faire cela de plus en plus, comme chaque leçon, fidèlement répétée, t'amènera plus rapidement en ce lieu saint et te laissera, pour un moment, à ton soi. Il dirigera tes exercices aujourd'hui, car ce que tu demandes maintenant est ce qu'il veut. Et ayant joint ta volonté à la sienne aujourd'hui, ce que tu demandes, toi, t'être donné. Tu n'as besoin de rien d'autre que l'idée d'aujourd'hui pour éclairer ton esprit et le laisser reposer dans une calme anticipation et une joie tranquille dans lesquelles tu laisses rapidement le monde derrière toi. À partir d'aujourd'hui, ton ministère prend un dévouement sincère et un éclat qui voyage de tes doigts à ceux que tu touches et qui bénit ceux que tu regardes. Une vision atteint chacun de ceux que tu rencontres et chacun de ceux à qui tu penses ou qui pensent à toi. Car ton expérience aujourd'hui transformera ton esprit au point qu'il deviendra la pierre de touche des saintes pensées de Dieu. Ton corps passé sera sanctifié aujourd'hui, son seul but étant maintenant d'apporter la vision dont tu fais l'expérience aujourd'hui pour éclairer le monde. Nous ne pouvons donner une expérience comme celle-là directement. Or, elle laisse dans nos yeux une vision que nous pouvons offrir à chacun afin qu'il arrive au plus tôt à la même expérience dans laquelle le monde est tranquillement oublié et où le ciel revient en mémoire un instant. Tandis que cette expérience augmente et que tous les buts, sauf celui-ci, deviennent de peu de valeur, le monde auquel tu retourneras se rapproche un peu plus de la fin du temps, ressemble un peu plus au ciel dans ses voies et est un peu plus proche de sa délivrance. Et toi qui lui apportes la lumière en viendras à voir la lumière plus sûre, la vision plus distincte. Le temps viendra où tu ne retourneras pas sous la même forme où tu apparais maintenant, car tu n'en auras pas besoin. Or maintenant, elle a un but et elle le servira bien. Aujourd'hui, nous nous embarquons sur une route dont tu n'as pas rêvé, mais le saint, le donneur des rêves heureux de la vie, le traducteur de la perception en vérité, le saint guide du ciel à toi donné, a rêvé pour toi ce voyage que tu fais et commence aujourd'hui avec l'expérience que ce jour t'offre pour tienne. En la présence du Christ, nous entrerons maintenant, sereinement inconscients de tout, sauf de sa face rayonnante et de son parfait amour. La vision de sa face te restera, mais il y aura un instant qui transcende toute vision, même celle-là, la plus sainte. Cela, jamais tu ne l'enseigneras, car tu ne l'as pas atteint par l'apprentissage. Or, la vision parle de ton souvenir de ce que tu connaissais en cet instant et connaîtras sûrement à nouveau.